Hello everybody, today I wanna teach you how to succeed in your TESF exam. So let's begin our journey with a real exam, okay? So the first module is compréhension orale or listening. Vous allez entendre une question suivie de quatre réponses, okay? You're gonna listen to some questions and four answers. Vous devez choisir celle qui correspond le mieux à la réponse attendue. Okay? So you're gonna choose only one item. Vous n'entendez la question et les réponses qu'une seule fois. You only listen to the item only once. In the real exam, you only have one chance to listen to the questions. Pour vérifier si vous avez choisi la bonne réponse, consultez les corrigés, page 21. Okay, let's begin and listen to the conversation and then we can decide which item is correct. Vous allez entendre une question suivie de quatre réponses. Vous devez choisir celle qui correspond le mieux à la réponse attendue. Vous n'entendrez la question et les réponses qu'une seule fois. Pour vérifier si vous avez choisi la bonne réponse, consultez les corrigés, page 21. Où sont les toilettes? A. Par terre. B. Sur la table. C. Dans la cuisine. D. Au fond du couloir. So, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Where are the washrooms, please? So, the items are par terre, okay? On the ground, sur la table, on the table, dans la cuisine, in the kitchen, or au fond du couloir, at the end of the corridor. So, the response is D. So, let's listen it again. Although in the real exam, you have only one chance to listen to it. Où sont les toilettes? A. Par terre. B. Sur la table. C. Dans la cuisine. D. Au fond du couloir. Tiens, j'ai commencé à apprendre l'allemand. Ce n'est pas trop dur? Pour l'instant, je trouve ça assez facile. Je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je déteste cette langue. Ah bon? Mais pourquoi? Question. Quelle est l'opinion de l'homme sur la langue allemande? Tiens, j'ai commencé à apprendre l'allemand. Ce n'est pas trop dur? Pour l'instant, je trouve ça assez facile. Je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je déteste cette langue. Ah bon? Mais pourquoi? Question. Quelle est l'opinion de l'homme sur la langue allemande? Tiens, j'ai commencé à apprendre l'allemand. Well, I started to learn the German language. Ce n'est pas trop dur. It is not too hard. Pour l'instant, at the moment, je trouve ça assez facile. In my opinion, that is easy. Je ne sais pas comment tu fais, mais moi, I don't know how you are doing, but I, je déteste cette langue. I hate this language. Ah bon, mais pourquoi? But why? Quelle est l'opinion de l'homme sur la langue allemande? What's the opinion of the man about the German language? So, il ne l'apprécie pas, he doesn't like it, il pense que c'est dur, he thinks that it's difficult, il la trouve très difficile, he finds it very difficult, il ne sait pas quoi penser, he doesn't know what to think. So, the correct answer is A, il ne l'apprécie pas. He doesn't like it. Actually, he hates it.
Pourquoi êtes-vous intéressé de travailler pour notre société? Parce que je trouve que votre entreprise est actuellement la plus dynamique sur le marché. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre fonction actuelle? J'aime assez mon travail actuel, mais le poste de responsable marketing correspond davantage à mes compétences. Je veux faire autre chose. Pourquoi devrions-nous vous engager? Je suis une personne très combative et je m'adapte très vite à toutes sortes de situations. Question 1. Où peut-on entendre ce type de conversation? Question 2. Pourquoi l'homme veut-il changer de travail? Pourquoi êtes-vous intéressé de travailler pour notre société? Parce que je trouve que votre entreprise est actuellement la plus dynamique sur le marché. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre fonction actuelle? J'aime assez mon travail actuel, mais le poste de responsable marketing correspond davantage à mes compétences. Je veux faire autre chose. Pourquoi devrions-nous vous engager? Je suis une personne très combative et je m'adapte très vite à toutes sortes de situations. Question 1. Où peut-on entendre ce type de conversation? Question 2. Pourquoi l'homme veut-il changer de travail? Pourquoi êtes-vous intéressé de travailler pour notre société? Why are you interested in working for our company? Parce que je trouve que votre entreprise est actuellement la plus dynamique sur le marché. Because I think that your company is at the moment the most dynamic on the market, sur le marché. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre fonction actuelle? Actuelle is current. So why do you like to quit your current job? The fonction is job. J'aime assez mon travail actuel. I like my current job, mais le poste de responsable marketing correspond davantage à mes compétences. But the post of marketing head corresponds more to my skills. Je veux faire autre chose. I want to do other jobs, other things. Pourquoi devrions-nous vous engager? Why do you think that we should hire you? Je suis une personne très combative. I'm a very competitive and assertive person. Et je m'adapte très vite. And I adapt myself very quickly à toutes sortes de situations. To all sorts of situations. So, the first question is, où peut-on entendre ce type de conversation? Where can we hear this type of conversation? That can be dans une interview. Yeah, that's correct. Dans une réunion bilan. Dans un entretien d'embauche. Excuse me, the correct answer is this one. In a job interview. And not just in interview. Dans une négociation professionnelle, in a professional negotiation. So the correct answer is C. Okay. Pourquoi l'homme veut-il changer de travail? Why the man wants to change his job? So, car il recherche plus de dynamisme, because he's looking for more dynamism. Car il n'apprécie pas son travail actuel, because he doesn't like his current job. Car il n'aime pas le marketing, because he doesn't like the marketing. Car il est très combatif, because he is very combative. No, the correct answer is the first one, because he's looking for more dynamic companies. Okay? Item 4, page 16. Vous allez entendre l'extrait d'un document radiophonique suivi de deux questions. Vous n'entendrez le document et les questions qu'une seule fois.
Lisez les réponses écrites et cochez la case correspondante. Pour vérifier si vous avez choisi la bonne réponse, consultez les corrigés page 21. D'après une récente enquête, il apparaît que plus de 25 langues sont parlées sur le territoire français. Beaucoup de personnes dans notre pays sont plurilingues. Beaucoup d'enfants vivent donc dans un environnement familial plurilingue. Mais à l'école, on prône haut et fort le plurilinguisme, mais en réalité, l'enseignement se fait uniquement en langue française. Très souvent même, on considère la langue acquise à la maison comme embarrassante, car elle nuirait aux résultats scolaires. De plus, ces plurilingues, eux-mêmes, n'ont pas conscience de leur propre plurilinguisme. Il faut absolument revaloriser ces langues pour revaloriser l'individu lui-même. Question 1. Quel est le problème à l'école à propos du plurilinguisme? Question 2. Pourquoi trouve-t-on que la langue acquise à la maison est embarrassante? D'après une récente enquête, il apparaît que plus de 25 langues sont parlées sur le territoire français. Beaucoup de personnes dans notre pays sont plurilingues. Beaucoup d'enfants vivent donc dans un environnement familial plurilingue. Mais à l'école, on prône haut et fort le plurilinguisme, mais en réalité, l'enseignement se fait uniquement en langue française. Très souvent même, on considère la langue acquise à la maison comme embarrassante, car elle nuirait aux résultats scolaires. De plus, ces plurilingues, eux-mêmes, n'ont pas conscience de leur propre plurilinguisme. Il faut absolument revaloriser ces langues pour revaloriser l'individu lui-même. Question 1. Quel est le problème à l'école à propos du plurilinguisme? Question 2. Pourquoi trouve-t-on que la langue acquise à la maison est embarrassante? D'après une récente enquête, according to the recent survey, il apparaît, it seems that plus de 25 langues sont parlées, more than 25 languages are spoken sur le territoire français, in the French territory. Beaucoup de personnes dans notre pays sont plurilingues. A lot of people in our country can speak many languages. Beaucoup d'enfants vivent donc dans un environnement familial plurilingue. A lot of children live in a family environment that speak many languages. Mais à l'école, but at school, on prend haut et fort le plurilinguisme. We advocate highly the multilingualism. Mais en réalité, but in reality, l'enseignement se fait uniquement en langue française. Teaching is done only in French. Très souvent même, even more often, on considère la langue acquise à la maison comme embarrassante. The language acquired at home is considered embarrassing, car elle nuirait aux résultats scolaires, because it hurts the school results. De plus, moreover, ces plurilingues eux-mêmes n'ont pas conscience de leur propre plurilinguisme. Moreover, these people do not know that they are multilingual. Il faut absolument revaloriser ces langues pour revaloriser l'individu lui-même. These languages have to be enhanced or upgraded in order to enhance the individual himself. Now the questions. Quel est le problème à l'école à propos du plurilinguisme? What is the problem with multilingualism at school? So,
à la maison concurrence l'école car l'apprentissage y est plus facile. Home competes with the schools because learning is easier there. On vante ses bienfaits, mais l'école ne favorise pas le plurilinguisme. We boast about its benefits, but the school does not promote multilinguism. L'environnement familial va à l'encontre de l'enseignement plurilingue. Family environment contradicts the multilingual teaching. L'école ne fait pas prendre conscience aux plurilingues de leur richesse. School does not raise the awareness of multilingual people about their richness. So, the correct answer is B. The second question. Pourquoi trouve-t-on que la langue acquise à la maison est embarrassante? Why the language acquired at home is considered embarrassing? Elle nuirait au développement de l'individu. It would harm the development of the individual. Elle dévaloriserait l'enseignement du français. It would enhance the teaching of French. C. Elle entraînerait de mauvais résultats scolaires. It would lead to poor or bad school results. And D. Elle serait néfaste à l'acquisition d'une autre langue. It would be harmful to the acquisition of another language. So the correct answer is C. It was only the listening section. In the next videos, I'm gonna go over more tests. Please stay with me and subscribe to my channel. Click on the bell icon to be notified about new videos.